Là, c'est pour la puce, voilà. Votre dossard. 189. Super, ouais. Un dossard, 189. Okay. Laurent, pour cette troisième édition, un petit mot. Voilà, donc bienvenue sur la troisième édition du Grand Trail de Gigondas. Donc cette course qui vous permet de découvrir les trois sites majeurs du Vaucluse, c'est-à-dire les Gorges de l'Anesque, le Mont Ventoux et les Dentelles à Gigondas. Donc cette troisième édition est très encourageante car on dénombre 330 coureurs, qui est donc à peu près une cinquantaine de plus par rapport à l'année dernière. Donc chaque année, les coureurs se rassemblent autour de cette manifestation et sont de plus en plus nombreux. Malgré cela, nous, notre objectif, c'est vraiment de garder cet esprit familial, convivial et revenir un peu aux premiers amours du trail, c'est-à-dire profiter plus de la nature que devenir une grosse course industrielle, on va dire. Voilà, donc on veut garder vraiment notre identité de bénévole. Voilà, c'est 100 bénévoles qui se réunissent autour de cette manifestation pour vous concocter ce magnifique parcours qui fait 96 km et qui présente 4200 mètres de dénivelé. Donc voilà, on est très heureux de pouvoir vous faire découvrir notre patrimoine naturel et notre terroir aussi, parce que Gigondas, c'est également, il y a du bon vin. Et donc 96 km, est-ce que vous envisagez un 100 km l'année prochaine, ou dans les prochaines années ? Peut-être l'année prochaine, ou peut-être pour la cinquième édition. On va dire dès l'année prochaine, on réserve sûrement une belle surprise. Une belle surprise, ouais. Un petit parcours, allez, on va dire, on peut le révéler, hein, oui. Moins de 25 km. Un pur extrait de dentelle. Ouais. Voilà. Et sûrement pour la cinquième édition, on est en train de voir, parce que comme l'a dit Lolo, c'est énormément de bénévoles à mobiliser. Mais partir sur un parcours de plus de 100 km, voire bien au-delà, voilà, pourquoi un pas, vrai ultra trail dans le Vaucluse et toujours en traversée dans le même esprit. Ça marche. Jovial et jovial. C'est ça. Ouais. Bon, bah merci, je vous laisse parce que demain donc, ça va piquer. Un départ à 5h. Donc je vais aller prendre après demain matin la navette à 3h30. Pas de souci. Donc à bientôt. On sera là pour t'accueillir à l'arrivée avec un grand plaisir. Allez, merci. Allez, bon, merci Pascal, à demain. Ciao. Ciao. Cinq minutes de pause au ravito 1. Et là on attaque, donc je suis au kilomètre 24 et on va attaquer la partie difficile de la course. Et c'est parti. Thank you.
jusqu'à la route là-haut. Là, il commence vraiment à faire chaud, ça devient très dur, ça tire au niveau des cuisses. Je sais qu'il y a un point d'eau juste en haut de la montée, mais elle est pas petite celle-là, donc je vais prendre mon temps. Il faut s'économiser pour le Ventoux. Ouais. Petite pause, non, bah, j'ai vu un beau rocher là. Il n'y a pas assez de place pour tout le monde. J'ai dit tiens, je vais m'asseoir. La chaleur. Bon courage. Merci, vous aussi. Je suis avec Jordi, donc il parle pas très bien français. Et je suis admiratif devant son exploit. Catalan. Je suis de Barcelone. Barcelone. Oui. Voilà. C'est la première fois que je viens à ce trail. Ah ben, bravo. Okay. Bravo. Parce que donc avec votre main amputée. Amputée. Ouais. Je vous tire mon chapeau quoi. Je dis bravo, bravo. Merci. Maintenant il faut aller au bout. Hein. La ligne d'arrivée. Gigondas. Ok. C'est tout droit là, il y a le balisage. Ça me paraît
spécial. Hein. Faut pas tomber là. De marche. Descente du Ventoux, il y a un peu de pierre, légèrement. Donc j'ai fini la première descente technique. Donc là maintenant c'est la descente un peu plus facile. Donc c'est un DFCI, après on descend sur un single en sous-bois. Donc je vais essayer de courir pendant jusqu'au ravito, je crois qu'il y a 13-14 km. Parce que la dernière partie, je vais pas trop courir, elle est plutôt technique et je suis très fatigué. Bon, ben il y avait encore une montée. J'essaye de suivre déjà pour me motiver, sinon j'y arrive pas quoi. Ça, je vais m'arrêter 10 fois. C'est dur hein. Merci. Le chier. Ben, c'est le dernier kilomètre, c'est. Vas-y, ça pue, c'est à deux.